Salut Antoine. Salut. Je vais chercher des médicaments tout à l'heure pour te soigner. T'as acheté mes balles ? Mais pourquoi tu t'infliges ça ? Tu perds ton temps, ton argent, toute ton énergie pour les jeter dans l'eau, tes balles. Laisse tomber, tu peux pas comprendre. Tu connais Gordon Reid ? Alors, c'est un médaillé d'or de Jeux paralympiques au tennis fauteuil. On a dit qu'on parlerait plus de ça. Oui, mais tu as toujours été doué. Tu crois que c'est facile ? Non. J'ai toujours rêvé d'être professionnel. Cette maladie, elle arrive sur le tas comme ça, là, ça me pourrit tout. Mais t'as dans toujours deux été... mois, tu vas m'essuyer le cul. Là. Écoute, je sais que tu vas me trouver dur, mais il y a deux solutions. Soit tu capitules, tu fais rien, tu bouges pas le petit doigt et tu déprimes. Soit tu te bats, tu relèves la tête et tu avances. T'as des milliers de gens qui sont dans ton cas. Je suis sûre qu'ils vont trouver une solution. En attendant, continue à te battre. Moi, je vais pas te laisser envahir par tes émotions. Il faut que tu vises toujours plus loin et toujours plus haut. Regarde ça. C'est un formulaire d'inscription pour un club de tennis fauteuil juste à côté. On essaye, on le fait une fois et tu verras bien. Juste une fois. Et si ça te plaît pas, on arrête là. Allez, s'il te plaît. Essaye juste une fois. Et après, je t'en parle plus. Si t'aimes pas, on arrête là. Premier jury, tu m'en parles plus. Oui, je t'en parle plus. Mais attention, hein. Si tu refuses, c'est fini les pizzas le dimanche. Et la pepperoni, tant pis. Hein. Ok, c'est bon, t'as gagné. Je savais. Super. Allez. Ça va aller. Ouais. Essaye. Je suis sûre que tu vas adorer. Oh putain, champion. Alors, on y va. Allez, viens, on va aller chercher tes médailles.